Bonjour, bienvenue dans le potager du BA Gastronomie. Aujourd'hui, je vous montre comment faire pousser les arachides. Voilà, donc là, on a décortiqué l'arachide. Vous voyez, voilà. Et maintenant, j'ai mis 2 jours dans l'eau et j'ai changé de l'eau une fois, par contre. Voilà. Et 2 jours après, j'ai étalé l'arachide. Moi, j'ai choisi une assiette que j'ai comme ça là. Et voilà. Et j'ai mis l'essuie-tout par-dessus. J'ai imbibé plus d'eau, encore l'arachide. Et voilà, j'ai couvert encore l'arachide avec un essuie-tout. Et voilà. 3 jours après, j'ai regardé et voilà, j'ai vu que les arachides se sont germés. Voilà. Alors le but c'est quoi? Vous pouvez le planter directement, mais le but c'est de faire germer afin que ça pousse très vite. Vous voyez, on est impatient quand on plante quelque chose, on veut voir quand même les résultats sortis de terre. Mais là, quand vous allez germer vos arachides, au bout de 2 ou 3 jours, vous allez voir déjà l'arachide commencera à pousser. Voilà. Donc j'ai fait un peu beaucoup parce que moi j'adore l'arachide grillé. Vous voyez les résultats. Et autre chose, je vous montre aussi autre chose. Donc j'ai décidé de faire pousser aussi l'haricot blanc. Voilà. Donc l'haricot blanc. Voilà, c'est très bon en sauce, hein. Alors, l'haricot blanc, j'ai fait la même chose. Je l'ai laissé 2 jours dans l'eau et après, j'ai renversé l'eau. Attention, surtout quand vous renversez, ça pue. Donc, quand vous renversez, il faut mettre un peu l'eau tiède pour que ça ne puisse pas sentir, enfin, le levier ne puisse pas sentir quand même hein, l'odeur désagréable. Donc, voilà. Et 2 jours après, j'ai fait sortir l'haricot blanc dans l'eau, autant pour moi. Et j'ai fait la même chose. Alors, je vais vous montrer. Donc, du coup, j'ai mis l'essuie-tout, hein, même procédure que l'arachide. Donc, j'ai mis l'essuie-tout, voilà. Et j'ai mis l'haricot blanc. Et là, ça, c'est les résultats de 3 jours. Donc, pendant 3 jours, et voilà, le troisième jour, vous allez constater que l'haricot vraiment a germé. Il a germé, vous voyez, l'haricot a germé comme ça là, voilà. Donc, c'est même procédure. Et c'est la même chose quand vous allez mettre ça dans la terre, ça poussera au bout de 3 jours. Vous allez voir déjà l'haricot blanc qui commence à pousser. Voilà, parce qu'au fait, quand on plante quelque chose, tous les jours, on va regarder qu'est-ce que ça donne. Voilà, et donc là, pour aller plus vite, donc faites germer les graines. Après, il n'y a pas que l'arachide et l'haricot blanc. C'est toutes les graines que vous avez, vous pouvez faire la même chose. Il y en a qui prennent 1 journée, il y en a 2 jours et tout. Donc voilà les amis, à savoir c'est bon, voilà, parce qu'on apprend tous les jours. Merci, au revoir.